Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit épisode sur Pretty Cube. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de déco. On s'est demandé l'autre, enfin tout à l'heure avec Léo, on s'est dit qu'il n'y en avait pas en fait de symbole. Le serveur n'avait pas de symbole pour le représenter. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait chercher quelque chose. Salut Léo. Salut. Salut. Donc on a réfléchi et on est tombé d'accord sur un truc tout simple, une épée plantée dans le sol, les épées de Minecraft comme celle-là, et une pioche juste derrière, voilà. Donc on va faire ça ici, j'ai déblayé la zone, il y avait une maison ici, bon elle a disparu dans l'opération. Donc j'ai déblayé, ça nous fait une jolie zone de 21 par 21 dans laquelle on va pouvoir faire nos belles constructions. Donc c'est du grandeur nature, un bloc pour un pixel, alors pas sur ce ressource pack là avec le ressource pack de base. Parce que là effectivement si vous regardez ça aurait fait un truc immense. Mais avec le ressource pack de base c'est quand même beaucoup plus petit, donc c'est tout à fait faisable. Je vais basculer sur l'autre compte pour vous faire un petit timelapse. Voilà, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin. On va faire ça en stained clay et en laine. On voulait faire ça en fer, en bloc de fer, mais Crochet, l'usine à crochet. fer. Ouais. D'une part, c'est carrément trop cher, quoi. Et en plus, notre usine à fer déconne complètement, elle ne fonctionne plus. On ne sait pas pourquoi. Donc, on n'avait pas assez de fer dans tous les cas. Une table de craft. Avec les nouveaux minecarts, il va partir en couille, votre. Il faut que t'en mettes un comme ça. Coucou. Bon, la torche. Waouh! Splendide! Superbe! Oui, alors on décorera pas la pioche avec des items framés et des pioches en diamant. Hein. Parce que bon, ou alors c'est toi qui fournis. Ok, bon, c'est pas. Ah non, ça le fait franchement. C'est quoi? Je suis même en train de me dire, est-ce que ça serait pas encore plus stylé d'avoir l'épée dans l'autre sens, c'est-à-dire avec la garde en haut à gauche et plantée dans le sol. Qu'est-ce que t'en penses? T'es genre à peu près jusque là. Il manquerait toute cette partie-là et bah ça serait planté dans le sol comme ça. Ouais, ça le fait bien. Ah, ça serait stylé, hein. Bon, on essaye de la faire. Les pieds.
pas carrément plus vite que WAM en fait. Ouais, moi j'ai c'est du... sous les yeux. Ouais, pareil. Moi je suis lent. Et après on fera des gags sur les Suisses. Échafaudage en bouse. Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi lui? Va-t'en. Toi. Ça rend pas mal. Alors, je me fais sniper. Mais on dirait que c'est ça alors. Ça peut pas être moi, j'ai qu'une seule flèche dans mon avant. Ha! Le mec est. Moi aussi, hein, je peux le faire. Moi aussi, j'ai un Infinity. Ah, vas-y. J'ai. Et nous voilà après ce petit timelapse qui j'espère vous l'aura plu, je crois que j'ai mal cadré et qu'il manque le haut, je suis désolé, du coup voilà à quoi ça ressemble en tout avec le petit Léo devant, coucou Léo. Salut, heureux.
Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est le premier jet, on va dire. Il est probable qu'on fasse quelque chose devant. C'est pour ça qu'on les a mis un peu à l'arrière de la place. C'est probablement pour faire quelque chose devant. Alors peut-être pas un bâtiment. Tout à l'heure, je disais un bâtiment, mais peut-être pas un bâtiment parce que du coup, ça cacherait la vue. Mais peut-être quelque chose genre un hôtel ou je sais pas. On verra un petit truc avec de l'eau ou des feuillages. Enfin, on verra. Essayez de faire un petit truc sympa. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve. Pour le prochain épisode de Pretty Cube. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut.